terre, le soleil, je sais dire que l'eau, l'ma, l'ma, l'eau, l'ma. Dis-moi-le, dis-moi-le, ose le dire. Terre, air, soleil, feu quoi, feu, terre, air, feu, eau. Putain, vous voulez rien m'apprendre, vous me faites chier quoi. Tu crois que j'en sais quelque chose? Tu crois que je maîtrise cette langue? Tu crois que je prendrais les gens pour des cons? Passe. Costa, j'en fume une dernière, s'il te plaît. Nordine ! Non, j'en fume une dernière. J'en fume une dernière. J'en ai pas fumé une, je vais en fumer une au moins une. Je m'en fous, je monte pas. Non, je monte pas. Vous me forcerez si vous voulez, je veux fumer une clope, au moins une clope, d'accord ? Une vraie clope. D'accord ? J'en veux fumer une clope. Non, il m'a pas offert une clope. Je suis désolé. Il le sait. Non, je veux une celle-là, moi. Je peux ? Il a dit oui. Non, mais nous, non. Vous me dites oui ou non ? Vu l'heure, il est midi moins 20. Ah ouais, ben allez. Montez tous, battez-vous, pleurez, pleurez, criez fort. Bon, on va danser. Moi, j'ai dansé en attendant, tiens. Allez, viens me chercher si t'as de l'audace. Ouais, t'as raison. T'as bien raison. Faire une connerie, ouais. Faire des tâches. Ouais, ouais, je suis coléreux, et alors ? J'emmerde le monde avant tout. Et appelle ta mère! Par rapport à la cigarette, on peut descendre, on va voir avec Dr. Chic, ça c'est pas ça. J'arrêterai pas de fumer quand je sortirai de toute façon. Ça vous empêche pas, ça vous empêche pas de fumer une cigarette? Avec le patch, vous mettez le patch. Non, je ne mettrai pas le patch. Il est hors de question que je mette cette merde sur moi. Voilà. J'ai mon point de vue là-dessus. Ça vous suffit pas. J'ai mon point. J'ai mon point de vue là-dessus. Ok. Mais eh ben à la dure, ça marchera. À la dure, j'en fumerai moins. Et c'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Pour moi-même, ça fonctionnera pas. Pour mes enfants comme ça, non. Mes enfants, ils feront ce qu'ils voudront de leur vie, ok. Mais moi, j'ai le droit de m'infliger ce que j'ai envie de m'infliger. D'accord, on s'arrête là. Donc, on a compris que ça ne va pas très bien se passer avec vous. On vous laisse s'enfermer. Je vous autorise quand même à appeler votre mère. Oui, 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 voilà. Ouais. Vous allez faire les choses à contre-sens. Mais faites les choses à contre-sens. On va descendre, je vous descendrai pour fumer tout à l'heure. Voilà. Vous descendez fumer, mais je ne peux pas vous laisser quand même avec les autres patients. Il faut savoir qu'hier, on a fait dîner avec tout le monde et ça s'est super bien passé. Oui, ça se passe bien tout à l'heure aussi. Toi, donc, même si je reste enfermé, c'est mieux. Ok, allez, fais comme ça. D'accord ? Sûr ? Ouais. Mais là, si vous me dites qu'il y a un problème. Tu vas appeler ma maman ? Oui, attendez. Je vais mettre selon évaluation. C'est-à-dire que... Attends, oh, tu sais quoi, maman ? Maman, écoute-moi, quand elle est au Maroc dans le souk, c'est comme ça, le bazar aussi ? Ah, quand on est sérieux, je te fais le marchandage, d'accord ? Marchand. Tu marchandes la vie de quelqu'un, toi ? Monsieur. Oh, non, mais tu marchandes la vie de quelqu'un ? Oh, dis-moi la vérité. Tu m'as acheté ? T'as vendu mon fils ou quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Cette histoire, elle est comment ? D'où elle vient ? De quoi on parle avec les gens, là ? Comment ils deviennent, les gens, là, maintenant ? C'est ça, la vie ? C'est ça, ta vie ? Monsieur Putain, Ferrer, reste devant la télé. Monsieur Ferrer, s'il vous plaît, voilà. J'ai décidé, puisque vous ne voulez pas coopérer, de vous laisser du
du même côté, vous sortez de la chambre 1h le matin, 1h l'après-midi, et si ça va bien et mieux, ça va être mieux. Tu payes pas, tu payes quand même. Oh. Voilà, voilà, ben c'est bon, c'est, j'accepte bien sûr. Ok. Je peux téléphoner à ma mère? Parce que là, je vais livrer des insultes tout ça à ma mère. Insulter, me dire, qu'est-ce que tu fous là, pougnache. Oh là là. Pougnache. Je fais des euros? Là, il est toujours sur tertion. Tertion, tertion, c'est son médicament. Regarde, ça m'a fait connaître quand même. Mais... J'ai augmenté l'aldol hier. Et l'aldol 400. Non, j'ai dit, c'est pas lui que j'ai mis de la gactine, je comprends. Non, non, non. Par moment, il est très beaucoup mieux, quoi. Et donc, ça varie spectaculairement dans la journée. Hier, par exemple. C'est une pente qui va plutôt comme ça. C'est un truc qui doit être kiff, au bout du temps. Mais là, le docteur Salé est venu le voir donc, pour son problème de constipation et tout. Enfin, il lui a tout bien expliqué, il était OK. Il a eu l'exprès, il devait avoir un normacol. Trois quarts d'heure après, je suis allée lui reporter. Il m'a dit, ouais, de toute façon, les médecins, ils n'ont rien compris. Je refuse, j'en veux pas, repartez avec ça. Et puis voilà. Quoi. Alors qu'il était très, très coopérant. Voilà. Maintenant, on a enlevé la contention. Voilà. Il était tout à fait calme, son problème. Et on y retourne une demi-heure après, il était complètement excité à nouveau. Voilà, dès qu'il sera mieux, vous lui passez un scanner. D'accord. Par contre, moi, je vais vous poser une question. J'aurais voulu savoir si vous avez parlé de son fils et sa compagne. Parce qu'il a un fils apparemment de 14 ans. Il a un fils de 14 ans qui l'a jamais vu parce qu'il a quitté sa compagne quand elle était enceinte de 3 mois. Il sait à peu près où elle habite. Il m'a dit qu'elle habitait à peu près 3 mois. Ça dort depuis 14 ans. On va parler de ça. Voilà. Ben, vous ne pensez pas que c'est un lien direct parce que. Visiblement, avant, il gérait une agence immobilière, donc il pouvait très bien travailler, être inséré de ce machin. Ah ben avant, mais là, actuellement, dans la phase processuelle actuelle... J'ai compris qu'il s'était stabilisé avec une camionnette qui est garée à Montpellier et qui menait une espèce de vie ou Toulouse, et qui menait une espèce de vie errante et marginale comme ça, dont il a l'aspect d'ailleurs. Ouais. Il a quand même une barbe et un système pileux. Qui est quand même très particulier quant au type de marginalité. Ouais. On est entre post-bouddhique et. Ouais, vous voyez, c'est pas. Non, mais c'est un patient quand même qui a été soigné pendant des années, il a arrêté son traitement. Oui, 3 ans. Schizophrène classique. Voilà. Un schizodystémique comme. Voilà. C'est là, il des intervalles libres plutôt de bonne qualité, et des compensations très maniacoïdes et délirantes. Alors lui, je pense qu'il n'a pas vu beaucoup le bout de la dépression. Et avec une composante psychopathique associée qui en fait une bombe, quoi. Voilà. Bon, là, moi, ce que je pense, c'est que dans la phase aiguë, il y a des phases de traitement. Dans l'immédiateté, il faut réduire l'acuité. Et après, on passe à autre chose. Ah oui. Si on mélange tout, même le thymorégulateur, si c'est 3 semaines un thymorégulateur, vous avez toujours le temps de le mettre. Donc, alors là où il est quand même très singulier, parce que c'est que avec un traitement injectable, quand même, correct, sédatif, le mec, il est insomniaque complet. C'est quand même... Ça interroge quand même. Vous voyez ? Insomnie complète. Alors, il lutte, hein, mais c'est pas suffisant. C'est quand même très... Là, c'est très, très, très singulier. Hein. Oui, mais même il lutte la fois où son traitement injectable a mis 2 heures à faire de l'effet. Il s'est quand même endormi, il était paisible et tout. Mais il n'avait pas dormi de la nuit auparavant. Il a dormi que 1 heure. Ouais. Et bah, c'est bien ce que je dois dire. Voilà. Non, il y a un truc... même un EEG serait utile. Enfin, il y a un truc là qui est curieux, je sais pas. Secteur 17, pavillon F. 80-59. C'est la CMME maintenant, non ? C'est ça ? Ok. Merci bien. C'est parfait. Merci, au revoir. Hop, c'est bon. Mademoiselle Ngombi, ça sent des paquines. Alors cette fois, c'est des gouttes. Oui. Non, et non, c'est des milligrammes. Ah oui, des milligrammes, c'est millilitres ou milligrammes.
Donc 2000 gouttes si tu préfères. Et